Ouais, excellente transition, tu me permets de faire le top 3. Remettre une pièce sur le Goency, c'est l'aspect sécurité ou sérénité. Véritablement, c'est le truc, c'est socle, hein, quand vous gardez en fait le système de production, vous avez vraiment en fait les fondamentaux, c'est sécurité. Et dans le SQCD, en fait, on voit souvent sécurité, qualité, délai, coût. En fait, cette première notion de sécurité, c'est pas uniquement est-ce qu'on a des accidents, c'est vraiment est-ce que les gens sont dans des conditions de travail qui sont les bonnes. Ouais. C'est une évidence quand vous y pensez. C'est une évidence. Pareil, vous avez un truc à faire à la maison, je sais pas, un gâteau ou autre. Si vous avez un plan de travail qui est à 1m50 au-dessus, est-ce que vous allez être correctement en efficace quelque part pour faire votre cuisine du jour ou votre... Eh ben, c'est aussi bête que ça la logique qui va derrière ce S là. C'est déjà, est-ce que les gens ont leurs outils à portée de main? C'est le principe du 5S. Et est-ce qu'ils sont dans des postures qui leur permettent de travailler facilement? C'est tout bête. Mais ça, ouais, mais... rappelons-le ouais. Et rappelons-le encore, parce que c'est quand même ce qui permet de faire du travail de qualité, sans se battre, sans se blesser, sans etc. Et avant même de se blesser, c'est être efficace. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de l'observation. Ça, je me dis, et ça fait partie des choses sur lesquelles les gens compensent énormément, très naturellement. Parce qu'après tout, l'environnement, il est comme ça. Et pourtant, c'est vraiment important. Donc ça fait pour moi partie du package top 1, qui est d'aller voir et de s'étonner encore une fois de choses qui ne sont pas... Et on pourrait faire des listes et des listes. Hein. Il y avait sur le sujet culture qualité, il y a est-ce que les gens comprennent ce qu'ils font? Est-ce que les gens savent à quoi se sert ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils font telle opération de contrôle? L'humain est très basique là-dessus. Il va au plus simple, au plus logique, au plus facile. C'est normal. Il est conçu comme ça. Donc plus on rend les choses faciles, bah, plus en tous les cas, ça donne de meilleures capacités à faire à la fois productif et puis à la fois de façon qualité. Donc ça, ça reste le top 1, c'est le go and see, aller voir vraiment les choses incontournables. Le deuxième, alors moi je ne suis pas complètement obnubilé sur le TRS, je sais que c'est une grande passion pour Ludo, mais moi c'est ne serait-ce que mesurer. Enfin, encore une fois, avant même de se lancer dans des outils, il y a des points de mesure. Vous pouvez mesurer ce que vous voulez. Généralement, on va mesurer comment est-ce qu'on utilise le temps, combien est-ce qu'on rejette, combien est-ce qu'on fait d'unités. Il y a toutes ces notions d'indicateurs. Ce qui compte, c'est de mesurer ce qu'on a envie de mettre en exergue. Et parfois, on est très surpris, en fait. Et en fait, quand on montre les chiffres, quand on voit les chiffres, n'importe quoi, tu parlais tout à l'heure des trous dans ouais. une chaîne, bah, en fait, on ne s'en rend pas compte jusqu'à temps qu'on monte le chiffre. Et là, on se dit, waouh, ça fait mal. Tout ça. Et plus fort encore, si vous voulez encore plus choquer, vous convertissez ça en euros. Généralement, alors là, ça finit de claquer parce que vos trous, vos pertes d'efficacité, ce que vous voulez, vous le convertissez avec les heures MOD, avec les heures machines, s'il y a des amortissements, avec la valeur ajoutée qui n'a pas généré, qu'on ne génère pas au niveau du chiffre d'affaires ou qu'on ne génère pas au niveau des SMIC finis. Enfin, vous commencez à plaquer en fait, des données monétaires en fait, sur ces choses-là. Généralement, ça crée beaucoup de motivation. Dans la pharma, on manipule souvent quand même des valeurs qui sont rapidement importantes, quels que soient les produits. Et vraiment, en fait, on se rend compte qu'on a des gisements mais pétrolifères en fait, à portée de main et qui sont parfois liés à vraiment pas grand-chose. Ouais, mon deuxième point, c'est mesurer. Je peux te couper deux secondes? Bien sûr, je t'ai coupé tout à l'heure. Ouais, voilà. Je serais plus court. C'est Saint-Valentin. Hein. C'est Saint-Valentin, on se coupe beaucoup. Non, mais par rapport à ce que dit Vincent, pour illustrer aussi pour Charlie et pour Léa, il faut quand même imaginer que parfois... Ce qui va partir dans les poubelles, par exemple, ce que tu disais, la valeur ajoutée. Compte double aussi, ça. Faut imaginer, nous, on a bossé sur des héparines. Des héparines, il fallait imaginer qu'il y avait quand même l'intestin. Il y avait un ou deux intestins de cochon à l'intérieur dans une seringue, l'équivalent. Donc, vous imaginez les coûts, tous les coûts qu'il y a derrière ça. Et quand on va mesurer, parfois, moi aussi, je parlais en cochon. Mmh. Je parlais en cochon aux opérateurs. Ouais, bah là, dans le bac... C'est un parti préanimalier, ouais. Oui. Il y a X intestins de cochon, c'est l'équivalent de ça. Quoi. Et ça donne aussi un peu une dimension au moment, on ne va pas en faire non plus n'importe quoi. Quoi. Donc, il y a des coûts qui sont très, 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 très forts derrière. Donc, choisissez vos mesures, et en tous les cas, généralement, ne serait-ce que pour faire agir, c'est une chose, mais pour faire les bons choix et mener les bons combats, c'est aussi vraiment important de partir de faits. Et encore une fois, on n'est pas juste dans de l'impression. Même si les irritants, vous allez me dire, c'est l'impression, oui, ça compte aussi. Mais quand vous voulez vraiment attaquer les gros sujets, partez des chiffres, partez des faits qui, eux, sont chiffrés et dont, en plus, vous pourrez mesurer les bénéfices une fois que vous aurez porté votre plan d'amélioration.
Voilà, et si j'avais un top 3, il est plus difficile à choisir, mais je dirais que c'est créer des défis. Alors, je reviens sur la notion d'engagement, on a parlé tout à l'heure, mais je trouve que c'est aussi une façon d'embarquer en fait des personnes, des gens, des équipes. Charlie, tout à l'heure, il a attaqué sur la partie méthode, effectivement, outils. Moi, je ne le mets pas en première intention. Par contre, je reconnais que si on veut quelque part qu'une personne mène un projet, un petit projet de A à Z, on peut lui lancer effectivement une intention, un défi, ouais, on peut appeler ça comme ça, de mener un projet d'Amelio, de la compagnie évidemment, avec de la méthode, et puis qu'il ait appris quelque chose, et à la fin qu'il présente le sujet qu'il a réussi à faire. Et avec ça, c'est pareil, on arrive à des succès où les personnes sont fières d'avoir mené quelque chose par eux-mêmes. Ils ont appris, ils ont démontré en fait une méthode qu'ils ont peut-être appris au moment où on les a accompagnés pour. Et ça, on peut aussi créer des dynamiques d'ensemble, dynamiques de site. Hein. Là, je ne raisonne plus à un niveau individuel, je raisonne à un niveau collectif sur une entité industrielle où on peut pousser vraiment des programmes d'amélioration, créer des challenges, créer des récompenses aussi au fur et à mesure. Il y a plein d'idées aussi pour aller stimuler aussi sur l'axe récompense et puis fidélisation aussi à une démarche d'amélioration continue autour de ça. Donc il y a plein de façons de le faire, mais moi en tous les cas j'aime bien ça. Ça génère de la fierté comme tu dis. Et ça génère la fierté, ouais. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure Koué, quand on avait parlé de l'engagement des gars, des gens sur le terrain. Koué qui nous disait, après il faut que le gars du terrain ait envie d'évoluer, c'est pas toujours le cas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais derrière ce que tu dis, c'est pas forcément que de l'évolution. Non, c'est pas que l'évolution. Ouais. C'est déjà être fier d'avoir présenté quelque chose, d'être sorti d'une forme de routine pour aussi présenter et puis avoir lui-même vaincu un problème qui l'ont nuyé tous les jours. Donc, non, il y a plein de choses à faire autour de ça. Et bah, c'est voilà. 56 minutes. On avait dû une heure. Ne pas hésiter, hein, si vous avez des conseils dans le chat ou si vous avez des questions, ne pas hésiter. On avait dit qu'on ferait un petit format court ce coup-ci, on est en train de s'y tenir. Charlie, Léa, est-ce que vous avez des questions ou Charlie, si tu veux rajouter quelque chose, tonton Charlie. C'est bien, Vincent, que tu aies parlé sécurité et qualité, parce que c'est vrai qu'on quand on parle performance, dans la certaine croyance, on oppose qualité, performance et sécurité, parce qu'une ligne performante, c'est forcément une ligne où on va demander aux équipes de travailler plus vite, et alors que c'est pas ça, c'est pas ça, c'est le contraire, l'inverse. C'est l'inverse, donc c'est vraiment important de mettre la sécurité en numéro un. Et voilà. J'avais eu l'occasion de travailler avec un ergonome, mais c'était super. Mais bon, c'était sur un site qui avait les moyens d'avoir un ergonome, mais prendre en compte un petit peu la fatigue des équipes et ça, pour démarrer un chantier, ça peut être intéressant aussi. Ah, j'ai un dernier conseil, je viens d'y penser. Ah, il y en a plein qui viennent. Abonnez-vous à QP Pharma sur YouTube. Il faut avoir plein de conseils sur l'amélioration, sur la performance, des expertises. Ouais. Et n'hésitez pas à nous follow sur Twitch, ça fait plaisir, si vous voulez nous soutenir. Il y a Verikaza qui nous dit « Get inspired sur le terrain demain et étudier les irritants ». Je vais, très bien, très bien. Nickel Valérie. Ah, excellente résolution. Valérie de Dijon, je me rappelle, si ma mémoire est bonne. Bah écoutez, c'est très bien. Léa, Charlie, est-ce que vous avez des questions? Léa, tu bosses dans... Toi, t'attaques dans 2 ans, là. T'as ton stage ou pas? Oui, j'ai mon stage pour avril. Très bien. Ça, du coup, va avoir de moins en moins de difficultés à trouver les stages, parce que vu qu'il y a de moins en moins d'étudiants, et que nous, les industriels, on a de plus en plus de besoins, je pense que les jeunes, vous allez avoir de moins en moins de mal à trouver vos stages, vu la tendance actuelle. Tu vas faire quoi comme stage, du coup? Je vais bosser, du coup, sur une ligne de production chez Servier. Très bien. Bah, Charlie, t'as bossé chez Servier, toi aussi. Tout à fait. Et sur quel site? À Jidi. Ah bah, c'est là où j'étais. Ah bon bah. Ah bah, vous avez vu comme c'est beau, quoi. Bah du coup, tu pourras, Charlie, tu pourras lui passer les contacts. Léa. Tu vas faire du chrono et du SMED. Ouais, tu verras sûrement, ça se trouve, ce que j'ai mis en place. Tu pourras lui envoyer ton rapport de stage, comme ça, elle va attaquer directement avec. En la suite, ouais. Et oui, le monde est très petit. Tout mais c'est ça qui est sympa là, aussi dans l'industrie pharma. Parce que, il faut quand même se rendre compte. C'est l'industrie pharma prod, c'est entre 13 000 et 15 000 personnes au final. Hein, c'est 45 000 personnes au total.
l'hôpital, mais je crois que population, cadre, expert, encadrant, en règle très générale, c'est un petit monde. Hein. C'est, nous, on connaît vite des gens par un intermédiaire, etc. Donc, c'est vraiment effectivement un petit monde. Merci pour les nouveaux follow. On a eu 2-3 nouveaux follow, donc c'est cool. Merci à tous d'être là. Droiterie. Ah oui, un paquet de nouveaux follow. Il y a 4 nouveaux follow qui viennent d'arriver. Ben merci les amis de nous rejoindre sur QP Pharma. Merci. C'est bizarre, dès qu'on le dit, ça follow, tu vois. Ben ça marche. On le dit jamais, ouais. On se force à le dire. Faut pas hésiter finalement. Et puis du coup, n'hésitez pas également à vous abonner sur YouTube pour avoir des vidéos sur YouTube. Envoyez votre argent à Ludo at non, c'est pas vrai. Gardez follow, c'est bien. Ouais, follow et abo sur YouTube, ça nous va largement. Ouais. C'est très bien.